Hello, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai la porte ouverte et le clocher vient de sonner 19h. Alors, c'est l'heure. Je vais juste vérifier que je suis bien en direct dans le groupe Facebook et puis vous accueillir. C'est tout bon. Et vous accueillir. Alors, je ne vois pas les commentaires. Sur LinkedIn, je vois juste les commentaires des personnes qui sont sur YouTube et dans le groupe Facebook. J'espère que vous allez bien. Nous sommes en fin du mois d'août et je suis un peu émue, j'avoue. Je vous attends quelques minutes avant de commencer. Est-ce que vous m'entendez bien? S'il y a quelqu'un qui est là, juste me dire si c'est OK. Je vais aller voir sur Facebook si c'est tout bon. Allez, je commence, je me lance. Alors, j'aimerais sur ce live... Il va parler de créativité, de création, d'intuition, d'imagination. Vous invitez à regarder autour de vous, dans la pièce dans laquelle vous êtes, et à vous dire, mais il y a eu tellement de créations qui ont été faites, qui me permettent aujourd'hui de vivre une vie confortable. Déjà, en étant direct à distance, imaginez, c'est formidable. Donc, il y a des gens qui ont créé Internet, il y a des gens qui ont créé les ordinateurs, Steve Jobs, je ne connais pas toutes les personnes de l'informatique, mais toute cette technologie, toutes ces commodités qu'on n'avait pas il y a peut-être 20 ans, 10 ans, 5 ans, ont d'abord été créés dans l'esprit d'un individu, de plusieurs individus, avec leur imagination. Ce matin, j'ai partagé sur une story, un projet commence par un rêve éveillé. Et c'est toujours ainsi. Les hommes, les femmes, de tout temps, ont rêvé à des nouveaux objets, à des créations, et les ont mis en fonction de leur talent, de leur don, dans la matière. Et nous les utilisons. Alors parfois, bien sûr, ce sont des choses tellement utiles, nécessaires à notre vie. Et puis parfois, c'est de l'art qui nous permet de voir le monde meilleur, de voir le monde plus beau, de nous rendre heureux, de nous satisfaire. Et nous allons développer tout ça au cours de ce live. Donc c'est l'imagination humaine, c'est la force la plus merveilleuse et la plus miraculeuse que le monde connaît. Souvent, cette imagination, elle n'est pas utilisée à bon escient. Elle est utilisée contre l'humain. C'est-à-dire que son imagination va se projeter dans le futur et va inventer un futur catastrophique. Et c'est ce qu'on appelle les peurs. Alors, c'est quand même intéressant de voir déjà ça, comment on va diriger notre imagination vers quelque chose de joyeux, d'heureux ou de craignant, je ne sais pas, je n'ai pas le mot, de peureux, d'effrayant, de même voire terrorisant. J'écoute plus les informations, mais j'entends des personnes qui disent « Oh, ce moment, c'est horrible ce qui se passe !» Et donc, d'aller regarder dans ce lieu-là, avec des informations apeurantes, eh bien, l'imagination va galoper et on va se dire qu'on est en danger partout, y compris chez soi ou dans des endroits dans lesquels on ne penserait pas. Et on devient donc imaginatif à notre détriment. Premier point. Sachez que les facultés créatives ne sont utilisées que par 2 ou 3 % de la population. Alors, ça veut dire que les autres personnes, les 97 ou 98%, ah, coucou Laurence, on m'entend bien? Est-ce que c'est OK?
utilisent finalement rien. Et donc, ils font quoi ces gens, du coup, s'ils n'utilisent pas leur imagination pour créer? Eh bien, ils sont dans quelque chose de très conditionné et de très banal, j'ai envie de dire. Excusez-moi, c'est ce qui me vient. Ça veut dire que nous sommes créateurs de notre présent, nous sommes créateurs de notre futur et nous sommes créateurs de toutes nos créations. Alors, beaucoup de personnes, pourquoi elles ne créent pas? Eh bien, parce qu'elles disent « Ah là, mais moi, je ne suis pas un artiste, je ne suis pas créative. » En fait, personne ne se croit pas vraiment créative. Et moi, j'étais dans ce cas, je l'avoue. Je pensais que je n'étais pas créative. Et puis, je me suis replongée dans mon enfance. Et les enfants savent très bien être créatifs. D'ailleurs, ça va être un des conseils que je vais vous donner. Et si vous n'avez pas d'enfants petits, moi c'est mon cas, enfin, j'en ai quelques-uns, mais pas à première vue tout le temps avec moi. Mais c'est de se mettre dans cette peau de ces enfants pour créer. Et on va voir pourquoi. Donc, personne ne se croit vraiment créatif et pourtant, on l'est tous. On a tous été des enfants très créateurs où on pouvait dire, allez, viens, on joue à être une princesse ou être, je sais pas, un indien ou des cow-boys ou je sais pas quoi. Et on le devenait. Et il n'y avait pas de souci. Je veux dire, on ne se posait pas la question si on l'était ou si on n'était pas. Quand on crée, quand on est créatif, quand on s'invente, quand on invente notre vie, on a quelque chose en nous qui va changer nos pensées, nos émotions, qui va rendre notre énergie tellement plus intense, dans une vibration tellement élevée. Et cette vibration, elle est maintenant... Il est maintenant possible de la matérialiser. Dans les années 30, il y a un photographe russe qui s'appelle Simon Kirian qui avait mis au point une sorte de photographie qui permettait de voir l'énergie de la personne, l'énergie qui brille. Hein. Et on le voit bien hein, dans les églises, les saints, ils sont représentés avec leurs auréoles. Donc, on le sait. Et donc, quand on vibre dans le moment créatif, eh bien, on vibre beaucoup plus élevé. Et finalement, tout ce qu'on va créer va en plus donner la vibration interne qui est la nôtre au moment de la création. Donc, j'ai envie de vous inviter à vous connecter quelques instants avec cette source jaillissant en nous, créative, cette puissance. Les mamans voit très bien de quoi je veux parler. Quand on prend conscience qu'on a à l'intérieur de nous un être, waouh, c'est tellement puissant. Eh bien, j'ai envie de dire que la création, quelle qu'elle soit, est de cette même nature-là. Donc, prenons conscience, au tout début de ce live, de notre puissance à l'intérieur de nous. Et ne vous dites pas, mais moi, je ne suis pas créative. Je ne suis pas une personne créative. Ce n'est pas vrai. On l'est tous. Nous sommes créateurs de notre vie. Nous sommes créateurs de notre présent, de notre futur. Et j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous voulez? Vous savez, cette fameuse phrase, être le changement que l'on veut voir dans notre vie. Alors, quelle vie vous voulez avoir? Est-ce que vous voulez imaginer le futur avec peur ou est-ce que vous voulez vivre votre présent avec joie en créant, 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 créant? Et on va voir comment. Excusez-moi. Alors, au début, l'artiste, il crée pour lui. Et je vais vous citer une phrase qui a été reprise, que j'ai lue d'un rappeur. Si cela ne vient pas comme une explosion, ne le fais pas. Deuxième citation, pour retrouver sa créativité, il faut avoir la volonté d'accepter d'être un mauvais artiste. Donnez-vous la permission d'être un débutant, Julia Cameron. Pourquoi je vous parle de ça? Je vais juste vous
parler quelque peu de mon histoire d'artiste. Parce que maintenant, je dis que je suis une artiste et ça, c'est un grand pas, c'est une grande nouveauté pour moi. Même si je me suis replongée dans mon enfance et que je voyais que je faisais déjà ça et aussi que j'étais déjà une personne qui, dans mon travail, cherchait énormément de solutions. Donc, j'étais quelqu'un de très créatif. Finalement, je faisais de la prose sans le savoir. Un jour, il y a à peu près 4-5 ans, je crois, je ne sais pas pourquoi, j'étais sur YouTube, je ne sais pas ce que je faisais et j'ai eu comme un, comment dirais-je, un moment où je suis tombée, j'ai dit qu'il n'y a jamais de hasard, sur une musique d'un auteur que je ne connaissais pas, c'était du hip-hop. Et la musique, elle m'a tellement plu, mais tellement plu, je l'écoutais en boucle. Et à un moment, j'ai eu envie de prendre mon stylo et d'écrire. Et le texte qui est apparu collait exactement avec la musique. Ça finissait, la dernière note de musique finissait avec le dernier mot. Ça parlait d'alchimie, parce que c'est ce que j'adore, l'alchimie, la transformation, la transmutation. Alors, des matériaux, mais aussi de notre être. Et c'est mon premier slam qui est sorti. Et c'était comme une explosion. Je ne m'y attendais pas. Et moi, ça m'a mis en joie. Mais je l'ai partagé. Et puis, ça n'a pas fait tellement d'écho chez peu de gens. Mais ça ne m'a pas arrêté. Parce qu'en fait, j'étais tellement dans ma joie qu'en fait, j'ai continué. Et puis à un moment, j'arrêtais, puis je reprenais, j'arrêtais. Ça allait, ça venait au fil des temps. Et donc, je dirais que l'artiste, finalement, dans ce don qu'il va faire de son œuvre, il le fait d'abord pour lui-même. Il ne se pose pas la question s'il va partager, s'il ne va pas partager, si ça va plaire, si ça ne va pas plaire. Et on va voir les qualités d'un créateur, parce qu'il lui en faut quand même des qualités. Alors déjà, il ne doit pas avoir de certitude parce que quand on se met à créer, on ne sait pas trop ce qu'on va créer. Et donc, on part comme à l'aventure. Et ça, moi, je trouve que c'est déjà super kiffant de ne pas savoir ce qu'on va trouver devant nous. On va essayer des choses, ça va nous parler, pas nous parler, ça va nous faire vibrer. Mais en fait, ce qui va nous permettre de savoir que c'est bien ou pas bien, c'est notre ressenti. Si c'est pétillant, si c'est kiffant, si c'est vibrant, alors on sait que c'est bien le truc qui nous plaît. Mais on ne se pose pas la question si ça va plaire à l'autre. Pour l'instant, on s'en fiche. Donc, le créateur, il part à la découverte. Il va aller chercher jusqu'à ce qu'il trouve quelque chose d'encore plus intéressant, plus intéressant. Et ça va amener le deuxième point, c'est qu'à un moment, si vous voulez faire justement du parfait, ce n'est pas possible parce qu'on pourrait toujours changer le mot quand on écrit. On pourrait toujours remettre une petite couche de peinture quand on peint. On pourrait toujours rajouter une note. Est-ce nécessaire? Non. Et donc, à un moment, si on va chercher quelque chose de parfait, on ne va jamais s'arrêter. Et il faut accepter que l'œuvre qu'on fait est parfaitement imparfaite. Et c'est l'apprécier comme ça, sinon, c'est jamais terminé. Donc, le premier point, donc, c'est n'avoir aucune certitude et ne pas vouloir faire quelque chose de parfait. Ensuite, il doit être patient parce que parfois, l'œuvre ne vient pas comme elle devrait, comme on voudrait. Je vais vous donner l'exemple du dernier slam que j'ai créé. Donc, j'ai un peu changé la manière de créer. C'est-à-dire qu'avant, je prenais donc ces musiques chez cet auteur qui me plaisait énormément. Puis quand je les ai à peu près toutes épuisées, parce qu'il ne fait pas que du gratuit et c'est normal, parce que l'artiste doit être payé pour son art, je suis allée chercher ailleurs et puis je ne trouvais pas, puis ça m'énervait. Et puis j'étais un peu au bout de mes recherches sur les réseaux. Et j'ai pris l'engagement, la décision d'aller
trouver quelqu'un qui allait m'aider physiquement à créer les musiques que je voudrais. Et j'ai tapé sur Google et je suis tombée sur un professeur, Auriel, et je l'ai appelé et je ne savais même pas que ça existait. Il fait de la musique assistée par ordinateur et ça a très, très bien matché entre nous. Il a tout à fait compris ce que je voulais et on co-crée tous les deux. Donc, maintenant, je compose la musique avec lui et après, je mets les textes. Et donc là, j'avais composé la musique parce que j'avais une idée de sujet. Il y avait des choses qui venaient, mais ce n'était pas tout à fait clair. Parce que souvent, les slameurs, ils ont d'abord le texte, et pas tous déjà de mettre de la musique, ils ont d'abord le texte et ensuite ils cherchent la musique et pas l'inverse. Et moi, j'ai souvent fait l'inverse. C'est plutôt la musique qui m'inspire un texte. Et donc, j'avais ma belle musique, j'étais tellement fière, ma première composition musicale, ma première mélodie, et le texte, il venait pas. Il venait, mais c'était tout mental. Je le sentais, c'était très scolaire. Ça ne me plaisait pas, ça ne vibrait pas. C'était ce truc-là que je n'avais pas dans mon ventre, dans mon plexus solaire. Je ne ressentais pas ce truc qui disait « oui, c'est ça ». Et je demandais à l'univers, à Dieu, à la vie, ben, « bon sang, envoie-moi ce fichu texte qui irait tellement bien avec cette magnifique musique ». Et puis un soir, je me couche et là, elle arrive. Mais ce n'était pas vraiment l'heure parce que c'était déjà tard. Et je dis « oh non, ce n'est pas le moment ». Mais je n'ai pas eu le choix parce que sinon, je savais que j'allais perdre le texte. Et donc, je me suis relevée, j'ai écrit le texte. Après, je l'ai remodelé un tout petit peu, mais je dirais que pas trop. Donc, il faut être patient. J'ai envie, je ne sais pas, j'ai l'image là qui me vient du pêcheur qui attend avec sa ligne. Il ne sait pas si le poisson va venir, mais il attend, il a la foi, il est patient. Et puis, parfois, on n'a pas l'énergie pour la création et c'est OK. Et ça va revenir à un moment sans que l'artiste, le créateur, va le demander. Donc, on est là avec son flow qui va arriver, qui va venir. Et il va quand même être curieux, l'artiste, parce qu'il va regarder qu'est-ce qui pourrait lui donner des idées. J'ai partagé dans le dernier live le monde des idées. Donc, le monde des idées, c'est comme un égrégore qui tourne autour de nous. Au-dessus de nous, je ne sais pas pourquoi je les vois, elles pourraient être en dessous, mais moi je les vois au-dessus. Et puis d'un coup, elles voient l'artiste, le créatif, et elles savent que cette personne-là va les mettre au monde, va les révéler. Et si la personne n'attrape pas l'idée, eh ben, elle va aller chercher quelqu'un d'autre. Donc, il faut quand même être tout le temps à peu près attentif à ce qui se passe. Par exemple, pour le programme dont je vais vous parler à la fin de ce live, je n'avais pas de nom qui correspondait vraiment. Et puis surtout, j'étais influencée par une personne que j'ai accompagnée. Je ne voulais pas lui prendre son idée. Et à un moment, j'ai vu un panneau publicitaire qui parlait de l'espace et c'est venu direct avec le mot. Et en plus, je vous expliquerai l'anagramme, c'est parfait. Donc, il faut quand même rester attentif. Et pour ne pas perdre quand même cette ambiance créatrice, eh ben des fois, c'est bien de travailler sur plusieurs trucs à la fois, plusieurs sujets. Trucs, ce n'est pas le mot très bien, mais il faut travailler sur plusieurs ouvrages, avoir plusieurs dossiers ouverts. Et parfois, l'un va alimenter l'autre, qui va alimenter l'autre. Et puis, d'un coup, ça va faire un truc qui va être cohérent. C'est comme si le pulse va s'assembler et qu'on dit « c'est parfait ». Donc, patient et en même temps, continuer d'alimenter son intuition, son imagination, sa créativité en étant curieux. Il va aussi devoir voir l'extraordinaire dans les choses ordinaires. Deuxième exemple personnel.
on était une fois en Zoom avec des consoeurs dans un groupe. Et puis quelqu'un parle de prétention, prétentieuse. Et moi, de suite, prétentieux, c'est ça. De suite, j'avais le mot prétentieux. Prétention, vous savez, quand on demande un salaire, etc. Quand on est embauché, quelles sont vos prétentions? Et de suite, j'avais tous les mots. Et quand on a raccroché, eh ben, j'ai écrit ce slam. J'avais jamais imaginé qu'un jour, je pourrais écrire un slam sur les prétentions et être prétentieuse. Mais j'ai trouvé ça extraordinaire de voir ce point de vue à ce moment-là. Donc, c'est ça, c'est d'être à l'affût tout le temps. Et puis, je vais vous expliquer que plus on crée, plus on crée, plus on crée, plus on crée. Il faut être généreux quand on est artiste, parce que créer, c'est donner de son temps, c'est donner de son énergie, c'est donner ses mots, c'est donner de tout son être, de toutes ses cellules au profit de la création. Et quand l'idée, elle nous vient, la remercier et tout lui donner pour aller jusqu'au bout de l'idée. La curiosité aussi de mélanger des choses, c'est ce qui me vient. C'était par rapport au point précédent, je m'excuse de revenir. Quand on s'intéresse à plein de sujets différents, voilà, ça va s'auto-alimenter et les idées, elles vont de plus en plus vouloir venir vers vous. Alors, je vais répéter toutes les qualités d'un créateur parce que j'ai l'impression que j'ai été un peu dans le désordre. Pour finir par la dernière qui est très importante. Alors, ne pas avoir de certitude, partir à l'aventure, à la découverte. Aller toujours chercher quelque chose de plus intéressant en sachant qu'à un moment, il faut s'arrêter parce que sinon, on va tomber dans ce syndrome du perfectionnisme et ça ne va pas. Il faut être intuitif et donc aller chercher des indices comme un petit peu un jeu de un petit poussé comme ça qui va nous amener au truc qui va vraiment nous dire « Ah oui, c'est ça que je cherchais ». Il faut être patient, il faut travailler sur plusieurs sujets, trouver l'extraordinaire dans l'ordinaire, apprécier donc l'imperfection, je l'ai dit, et curieux, généreux et moi j'ai envie de rajouter téméraire et courageux. Pourquoi courageux? Parce qu'à un moment, l'artiste, le créateur, le créatif, il ne va pas vouloir garder son œuvre pour soi, il va vouloir le partager. Et là, waouh! Il sait que ça ne va pas faire un écho total dans le monde. Parce que lui, il a kiffé son truc, il l'aime par-dessus tout. Et c'est à ce moment, je dirais, que l'œuvre le quitte. Elle va faire sa vie, son chemin à elle. Elle va devenir une entité, l'idée a pris forme. Et donc, montrer son œuvre, eh ben, c'est très difficile. Et en plus, si on est un artiste et qu'on va aller s'exprimer devant des gens ou faire une exposition, exposition de photos, une exposition de peinture, là, on va voir le regard de l'autre dans l'accueil de l'autre. Et il va falloir avoir une sacrée dose de confiance en soi pour ne pas se dire bon, c'est pas très bon ce que j'ai fait. Parce que nous, si on l'a mis au monde, on le trouve forcément très bon. Quel que soit le sujet. Alors, je voudrais savoir si à ce stade, vous avez des questions ou si je continue. On va parler maintenant du développement de la créativité. Puisque je vous rappelle, j'ai dit qu'il y avait 2 à 3% des personnes qui vraiment développent leur créativité. Et puis beaucoup, beaucoup, c'est vraiment le sujet majeur qui disent « Mais moi, je ne suis pas créatif. » Parce qu'aussi, on a été conditionné depuis l'école
L'enfant, je vous ai dit, il est très, 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 très créatif. Et à l'école, c'est comme si on devient moulé, on devient conditionné. Et vous savez, il ne faut pas déborder du cadre, il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut suivre la consigne. Et moi, je pense que c'est à ce moment-là qu'on prend toute notre créativité, on la rentre en nous et puis on dit, bon, ben ouais, je ne suis pas créative parce que ben, le professeur ou l'enseignant, il a dit que ben non, ça ne valait pas plus que 8 sur 20. Alors, je ne suis pas très créative. Je pense que c'est à ce moment que on perd sa créativité. Alors, pour développer sa créativité, eh ben, par exemple, on va pouvoir développer des choses. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, vous allez prendre un mot et vous allez l'allonger pour faire quelque chose de nouveau. Vous pouvez prendre de la couleur et vous pouvez l'allonger, la modifier. Je donne un exemple. Par exemple, Yves Klein, qui travaillait avec la couleur bleue, lui, il faisait des bleus, des bleus, des bleus, des bleus, des bleus, des bleus. Il a créé le bleu Yves Klein. Donc, c'est voir à quel moment il y a comme une sorte de magie, on dit bien la magie des idées. Voir comment à un moment il y a comme une graine qui germe. Et donc, ça va être aussi d'aller regarder et se nourrir avec d'autres œuvres. Alors, Stephen King, lui, par exemple, il dit que c'est important pour un artiste de diviser sa journée en deux, la moitié où on crée et la moitié où on va aller regarder les œuvres des autres. Pas pour copier, mais pour s'inspirer. Donc, par exemple, ben moi qui fais des slams, de la musique, j'ai toujours écouté beaucoup de musique. Et ça, c'était aussi un indice que je pouvais avoir pour me dire que j'allais peut-être aller vers ça. Mais je disais tout le temps, je ne suis pas musicienne parce que je ne joue pas d'un instrument. J'ai essayé de jouer de la guitare, mais je ne suis pas très douée. Et puis apprendre un instrument quand on est adulte, c'est très difficile. C'est plus difficile parce qu'on n'a pas cette dextérité qu'a un enfant. Et puis justement, on se réfrène parce qu'on se dit, bah non, je suis un adulte. Mais j'ai une culture musicale qui est très importante parce que j'écoute tout type de musique et j'aime les musiques anciennes. Je me rappelle de certaines chansons que chantait ma grand-mère jusqu'à des trucs hyper modernes aujourd'hui. Qui passent en boîte de nuit ou des choses que ma fille, on partage des musiques ensemble. Et j'adore tout type de musique, y compris des musiques très classiques. Et donc, tout ça fait que cet univers, j'aime l'univers de la musique. Donc, forcément, c'est quelque chose qui me plaît et qui va aussi m'inspirer. Dans la création. D'ailleurs, dans mes slams, je parle souvent d'un texte, je fais souvent référence à une chanson. J'adore ça parce que, je ne sais pas, ça m'inspire, je me mets dans l'ambiance de la chanson. Par exemple, un des slams que je vais enregistrer là jeudi, je parle de Bachung. Vous savez, dans une de ses chansons, il dit tout en pointillé, je veux me découper tout en pointillé, et du coup, je fais cette référence. Alors, bien sûr, celui qui n'a pas cette référence musicale, culturelle, eh bien, il ne va pas savoir de quoi je parle, mais ce n'est pas grave, parce que peut-être ça l'incitera à aller chercher ou pas. Mais en tout cas, moi, ça me permet d'augmenter ma créativité. Donc, allez voir si vous êtes en appétence avec un sujet, allez voir le domaine dans lequel vous êtes. Mais je pense que ça doit être quelque chose qui est fait de manière naturelle. C'est-à-dire que ben, si vous êtes musicien, vous allez écouter beaucoup de musique. Si vous êtes écrivain, ben, vous allez lire beaucoup de romans. Et moi, c'est pareil, j'ai beaucoup, beaucoup lu plein de choses variées. Je me cachais même pour lire quand j'étais petite parce que je n'avais pas le droit de veiller trop tard. Mais ma mère, elle s'en rendait bien compte parce que quand je réclamais encore un livre, ben, elle se disait, ah ben t'as déjà fini, mais à quel moment tu l'as lu? J'ai une amie qui peint et elle a vu des tas d'expositions de peinture. Donc encore une fois, pas pour copier, mais pour être inspirée. Et l'autre partie est la création.
Écoutez aussi les enfants. Et si vous avez la chance d'avoir des petits à côté de vous, eh ben, faites un discours avec un enfant de 4-5 ans et je vais vous dire que vous allez avoir des idées. Lui, il va vous donner des tas d'idées. Donc, ça va vous permettre de changer la perspective aussi quand on est un enfant. Ça peut être aussi un autre point de vue, c'est-à-dire vous pouvez aussi dire, bah, par exemple, tiens, je veux me passer d'un point de vue d'un roi, comment je m'exprimerais? Et à ce moment, ça permet comme d'être un acteur. On va parler de cette identité. L'acteur, lui, il prend le personnage, il vit le personnage. S'il doit être Victor Hugo, ben, il devient Victor Hugo dans la manière dont il parle, dans la manière dont il va se tenir, comment il va manger, etc. Donc, jouer à être. Et si vous êtes un slammer, ben, du coup, vous prenez l'énergie de la personne qui fait des slams. Transposer, du coup, ce milieu à votre être. Donc, il y a parler avec des enfants, changer de perspective. Il y a aussi des fois d'aller chercher dans d'autres mondes. Et ça, moi, je trouve ça intéressant. J'arrive de temps en temps à faire ça. Je ne sais pas vous. Par exemple, un monde qui m'est inconnu, je vous parlais de l'informatique tout à l'heure, et bien du coup, peut-être que ce monde-là de l'informatique, vous allez le transposer dans votre art. Là, pour le coup, je ne vois pas trop comment. Peut-être avec des mots binaires ou des saccades, peut-être, comme une forme de programme qui serait écrit. Je ne sais pas, mais des fois, ça peut nous permettre d'avoir cette haute perspective. Combiner des choses et vous pouvez aussi donc étendre des mots, étendre des images, essayer de voir ça comme une fractale pour aller plus loin. Et bien sûr, ce qui va développer l'imagination, c'est nos sensations, nos cinq sens, nos émotions, ce que l'on pense, ce que l'on ressent. Ça crée des opportunités créatives dans notre vie. Et moi, c'est finalement comme ça que j'ai commencé d'écrire parce que j'étais passionnée, et je suis toujours passionnée par l'alchimie. Et donc, ces notes m'ont renvoyé à ça. Je ne peux pas vous dire pourquoi. Pourquoi d'autres notes vont me renvoyer à d'autres choses. Et j'ai parfois utilisé des notes pour mettre des émotions que je vivais ou que j'avais vécues. Ou des circonstances. Une fois, j'ai eu un slam qui est arrivé après un entretien avec une personne que j'avais en coaching pour la première fois. Et en fait, quand elle m'a expliqué son histoire, j'ai raccroché, j'ai écrit un slam magnifique. Franchement, magnifique. Il s'appelle Souveraine parce que cette personne était en totale dépendance affective. Et je me disais, mais voilà, il faut arriver à être souveraine dans sa propre vie et j'avais envie de lui donner en mots, slammer, parce que je n'avais pas les mots au moment où je l'avais au téléphone. Donc, utilisez vos ressentis, utilisez vos émotions pour créer et puis ne vous arrêtez pas jusqu'à ce que ça fasse ce truc. Ah oui, c'est ça. Donc, c'est ce flot. Et quand on est traversé par ces idées, quand on est traversé par la vie, eh bien, on est vraiment là dans la création. J'ai mon téléphone qui n'arrête pas de sonner depuis tout à l'heure. Et je trouve ça très, très intéressant parce qu'il n'a pas sonné de la journée. Et voilà, je suis en live avec vous et c'est à ce moment que tout le monde décide de m'appeler. Si vous êtes dans un lieu où vous ne pouvez pas créer et que vous avez l'idée, eh bien, notez-la parce que l'idée, elle va repartir. Elle va justement aller chercher quelqu'un d'autre. Ça, c'est très important. Alors, maintenant,
l'énergie du créateur. Parce que, on fait remarquer, mais Isabelle, en ce moment, tu es sur tous les fronts, tu n'arrêtes pas de créer. Et comment tu fais pour avoir autant d'énergie? La création appelle la création, qui appelle la création, qui appelle la création. Parce que quand je suis là en train de créer, je suis tellement dans ma joie, je suis tellement dans l'instant présent que justement, je ne pense plus à demain. Le passé, il est bien, bien loin derrière moi, même si parfois je vais m'en servir pour mes créations, mais uniquement pour ça. Et donc, si vous avez peur de ne pas avoir assez d'énergie pour créer, bah créez tout le temps. Je vous assure, essayez. Ça fait monter notre taux vibratoire de créer. Et je vais vous expliquer aussi à quoi ça va nous servir de monter ce taux vibratoire. Donc, on est d'accord qu'on crée pour soi et ensuite pour le monde. On ne va pas attendre la validation du monde extérieur. Sinon, bah on va être là. Et on va chercher la meilleure idée qui va plaire aux personnes. On va chercher le meilleur truc et on attend, on procrastine. Et on va à un moment le montrer pour que les personnes soient aussi heureux que nous. Mais ce n'est pas le fondement de l'artiste. Ce n'est pas le fondement du créateur. Alors peut-être que vous allez me dire, les gens qui créent des objets, qui vont créer des technologies, c'est pour les autres. Moi, je n'ai pas l'impression. Je pense que c'est d'abord pour eux qui vont créer ça, pour rendre leur vie meilleure. Et puis peut-être qu'à un moment, ils vont voir l'impact que ça a dans le monde. Et là, à ce moment, ils vont chercher à le montrer, à l'expliquer, à le vendre, mais ce n'est pas ça la base de la création. Alors, je vais vous dire pourquoi c'est important de continuer de créer, de continuer de créatif, de déployer notre créativité. Parce qu'à ce moment, on passe de la tête au cœur. Et quand on est dans notre cœur, c'est ce que je vous ai dit au niveau de l'énergie, eh bien, ça augmente notre taux vibratoire. Et la puissance de notre cœur, elle est tellement plus importante que la puissance de notre mental. Quand on est dans notre cœur, on dégage un champ magnétique autour de nous qui va se mettre en cohérence avec nos pensées pour créer, parce que bah, il faut bien que le stylo, il écrive, il faut que la main, elle peigne, mais c'est vraiment à partir de notre cœur. Et donc, je vais vous dire que notre création est capitale pour le monde. Nos créations sont capitales pour le monde. Et je vais vous donner l'exemple du 11 septembre. C'est Greg Braden qui parlait de cet exemple et ça m'a vraiment frappée. Il y a des satellites qui mesurent la puissance de la Terre, deux satellites qui sont dans les deux pôles, qui regardent le champ électromagnétique de la Terre. Et puis, ils ont constaté que le 11 septembre, eh bien, un quart d'heure après le choc des deux tours, ça s'est mis à descendre, la fréquence de la Terre s'est mise à descendre de manière exponentielle, un pic jamais vu. Et donc, ça veut dire que ce qui se passait là, dans ce lieu-là, avait un impact global sur toute l'humanité complète. Donc, les gens qui vivaient ce drame, et puis bien sûr, après, il y a eu tout ce qui s'est passé au niveau médiatique, mais là, je ne vous parle pas de ça, je vous parle des 15 minutes après le choc. Ça veut dire que les émotions des personnes qui étaient en train de vivre ce drame s'est ressenties sur toute la planète. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce que quand on est dans notre émotion créative,
si on est de plus en plus nombreux à créer nos œuvres, et quelles qu'elles soient, que ce soit de la peinture, de la sculpture et même notre propre création, imaginez bien qu'on est d'abord en train de se changer soi, nos pensées, nos émotions, et que notre cœur, donc de manière magnétique, qui vibre 5 à 8 000 fois plus que notre cerveau, va se synchroniser à ce cœur, et que si on est de plus en plus nombreux, eh bien, ça va être juste un truc de dingue dans le monde futur. Et on le voit bien aujourd'hui avec l'avènement des réseaux où les gens s'autorisent d'être créatifs, s'autorisent d'être un artiste, s'autorisent d'être un peintre, s'autorisent d'être un chanteur. Avant, il fallait être repéré. Et puis du coup, c'était quelque chose qui était aléatoire parce que l'art, c'est subjectif. Ça ne plaît pas à tout le monde. Et donc, eh ben, si quelqu'un avait cette chance d'être repéré par quelqu'un parce que ça lui plaisait, alors il faisait carrière. Et puis les autres, non. Aujourd'hui, oui, il y a de plus en plus de monde. Mais il y a de plus en plus de créateurs et de créatifs et de graines qui vont être germées. Et ça, moi, je sais pas ce que ça me fait. Ça me fait quelque chose de vraiment, vraiment important. Et je me dis que du coup, ça va changer le monde. Donc, votre création va changer le monde. Et j'ai envie de dire, si ce n'est pas une création physique, c'est la création et le changement de votre énergie personnelle qui va changer le monde. J'écoute souvent Sylvain Didlot qui parle de ça et qui dit que puisque le monde est le reflet de notre monde, on ne veut plus qu'il y ait de guerre, on ne veut plus qu'il y ait d'atrocité dans le monde, alors changeons nos vibrations. Et du coup, créons-nous un monde meilleur à l'intérieur de nous, en étant dans cette joie de la création, en étant dans cet instant présent. Et tout va, par effet miroir, par effet de reflet, eh bien, être la même chose que dans notre monde intérieur. Je crois que je vous ai tout dit de ce que je voulais vous dire au niveau de la création. Ce qui me vient, c'est que c'est facile, c'est amusant, c'est puissant plus qu'on l'imagine pas. Et si on n'empêchait plus les enfants de rester dans cette création, peut-être que ce monde joyeux, il serait déjà là, ce monde sans guerre, ce monde de paix, de calme, d'amour existerait déjà. Mais voilà, ce n'est pas encore ce qu'a choisi l'humanité et ce n'est pas le but non plus de ce que je vous propose là. C'était vraiment pour ouvrir le champ plus large de ce que je voulais vous dire. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est ce que ça crée pour moi, depuis que je me suis définie comme une artiste, définie comme une créatrice, pris la décision de créer cet album de slam, et je vois bien que les mots qui me viennent sont des mots qui ne me ressemblent pas toujours, qui me traversent, que je dois les coucher sur un papier, que je dois aller faire des musiques, et puis que je dois assembler tout ça, et proposer ça dans le monde. Et je vois de quoi ça parle. Au début, mes slams, ils étaient très personnels. Ils parlaient de ce que j'ai vu, de ce que j'ai vécu, de mes programmations, de ma notion du succès, de ce que je pensais qu'était le bonheur. Et puis aujourd'hui, ils sont plus généraux. Et de quoi ils parlent? Ils parlent d'amour entre l'humanité. Donc, je ne peux pas garder ça pour moi. Je me dois d'aller encore plus grand. Et il n'y a rien qui va m'arrêter. Et même s'il n'y a qu'une, je l'ai déjà dit plein de fois, mais s'il n'y a qu'une seule personne qui doit être impactée, ben c'est déjà super bien. Parce que moi, ça m'a déjà impacté moi. Et donc, s'il y en a une deuxième,
Eh ben, je trouverais ça génial. Alors, bien sûr, je vais pas vous dire que je fais ça que pour une personne. J'ai envie de beaucoup plus. J'ai envie d'aller slammer, de proposer plein d'humains, d'être sur scène et puis de co-créer avec d'autres artistes. Je vois déjà plein de choses. Et puis, je voudrais que ces mots qui sont des vibrations, elles atteignent le cœur d'autres personnes et puis qu'en fin de compte, on se rappelle tous ensemble bah, qu'on est juste la lumière et qu'on est traversé par quelque chose de plus grand. Je voudrais terminer j'ai failli même oublier, c'est en disant ça que comment dirais-je, ça me vient. Que je l'avais préparé. Je vais recevoir dans le podcast Les Chats d'Isa, Ombline Becker, qui a écrit ce livre. Bon, je ne sais plus comment il faut que je le mette parce que j'ai mis un fond flou. Le leadership spirituel. Et je voudrais vous lire un passage, c'est très court. Elle parle du syndrome de l'imposteur. Et je trouve que ça vient bien en lien avec le sujet. Parce que je me le dis, mais qui suis-je moi pour me déclarer slameuse? Puis après, je repense à ce que je fais et je me dis oui, je suis une slameuse. Mais il m'arrive bien sûr encore de douter. Alors, je vais vous partager ce texte qui a été écrit par Marianne Williamson, qui a été repris par Nelson Mandela dans son discours d'investiture de 1994. Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de toute limite. C'est notre propre lumière et non notre obscurité qui nous effraie le plus. Nous nous posons la question, qui suis-je, moi, pour être brillant, radieux, talentueux, merveilleux? En fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être? Vous êtes un enfant du divin. Vous restreindre, vivre petit, ne rend pas service au monde. L'illumination n'est pas de vous rétrécir pour éviter d'insécuriser les autres. Nous sommes tous appelés à briller comme les enfants le font. Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire du divin qui est en nous. Elle ne se trouve pas seulement chez quelques élus, elle est en chacun de nous. Et au fur et à mesure que nous laissons briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à rajouter, hormis le lien que j'ai à vous faire avec le programme que je commence le 5 septembre, programme de co-création, BioStar. Star, succès, transmission, artiste, révélation. Donc, vous avez vu que tout le monde a une graine d'artiste. Tout le monde peut être un artiste. Donc, je vous mets le lien ici. Je le remettrai aussi dans les sous-titres du replay. Alors, moi, je vais y aller. Je veux devenir une star. Je veux devenir une personne qui révèle ma lumière. Pour que toi, tu te rappelles, merci, pour que toi, tu te rappelles ta lumière. Donc, si tu ne viens pas me rejoindre dans le programme BioStar, c'est dommage pour toi, j'ai envie de dire, parce que moi, je vais y aller. Mais moi, je trouverais encore plus fun si on y allait ensemble. Qu'est-ce qu'on va faire dans BioStar? Et je vais vous proposer une pratique parce que vous savez que tous mes lives finissent par une pratique. Donc, dans BioStar, nous allons visualiser. Nous allons visualiser le créateur, la créatrice que tu souhaites être. Cette identité dont je vous ai parlé pour créer, c'est aussi votre identité d'artiste, de créateur, créatrice. Il est désormais important d'incarner. Je vais vous le faire vivre. Pour une fois, mais on le revivra. On va donc visualiser aussi à long terme notre ligne de temps dans laquelle votre succès est là.
la révélation est faite. On va avoir des coachings hebdomadaires de 2 heures pour votre œuvre, quelle qu'elle soit. Un spectacle vivant, une exposition photo, sculpture, peinture, slam, création d'un livre, peut-être un projet d'entrepreneur si vous avez un programme que vous voulez mettre en ligne, une formation ou devenir entrepreneur, peu importe. Finalement, tout est un projet. Toute idée est un projet en germination. Et je suis coach, donc je peux vous accompagner aussi dans les étapes de ce projet. Je ne le ferai pas à votre place, non, parce que sinon je serai une consultante. Je vous donnerai, c'est-à-dire que je vous donnerai pas ce qu'il faut que vous fassiez, mais je vous amènerai à ce qui est le plus important pour vous à faire, la prochaine action à poser. Ensuite, on va mettre au monde cette œuvre et on va la distribuer dans le monde. C'est-à-dire qu'on va chercher les moyens de distribuer, que ce soit un livre, votre expo photo, votre tournée de conférence, votre tournée de scène. Oui, parce que moi, je veux, en début d'année... Donc, je vais faire mon album et avec mon album, je vais faire une tournée dans laquelle je ferai un spectacle qui alliera conférences, sujets de dev perso et le slam. Ça s'appelle Une vie en slam. Et donc, je vais le faire avec vous, mon projet. On va co-créer et on va se donner des idées et on va apporter la vision de l'un par rapport à la vision de l'autre. Puis, s'il y a des blocages, on va les soulever ensemble. Et puis, vous savez, l'adage qui dit « ensemble, on va plus loin, on va plus vite ». Alors oui, tout seul, on va plus vite, mais moi, je suis certaine qu'ensemble, on va encore plus loin, on va encore plus grand, on va encore plus puissant. Ça va être génial. Il y aura des lives spontanés et puis vous allez me donner matière aussi à être inspirée parce que j'adore trouver des solutions et je vous ai dit, je ne serai pas consultante, mais… Je suis certaine qu'on va trouver comment faire s'il y a des blocages. Et donc, on va le mettre au monde, on va le commercialiser, on va avoir du succès et on va avoir le fruit de ce succès avec eh ben, ce qu'il en découle parce que c'est important d'être rémunéré pour notre œuvre. Voilà. Be a star, ça s'appelle comme ça. Succès, transmission, artiste, révélation, c'est toi qui décides. J'ai une jeune artiste qui m'a partagé le fait que c'était comme dans Harry Potter qui crée son école de magicien, magicienne. Parce que c'est vrai que la création, ça, c'est vraiment de l'ordre de la magie. Parfois, ça vient comme ça, pouf, on est dans le flow et c'est chouette de partager ça entre personnes. Et dans notre environnement, je ne sais pas si tu es là, Amélie, il y a donc une personne qui veut créer un film. Non, mais c'est un truc de fou. Et vraiment, je suis très, très fan. Alors, je vous ai dit qu'on va vivre cette visualisation. Est-ce que vous avez déjà des questions avec... tout ce que je vous ai partagé. J'ai vu plein de petits cœurs. J'adore. Ils sont trop beaux. Je les reçois. Allez, je vous invite à devenir cette identité d'artiste, de créateur, créatrice. Vous allez prendre une grande inspiration. Moi, je vais me poser un peu aussi, après vous avoir parlé. Je vais boire un peu d'eau. Prenez une grande inspiration par le nez, soufflez par la bouche, fermez les yeux, décroisez les jambes, posez les pieds à plat sur le sol. Je ne mets pas la musique parce qu'on ne l'entend pas toujours.
Inspirez, expirez, inspirez la lumière, expirez les tensions, les doutes. Inspirez, expirez, gonflez le ventre comme un ballon, soufflez par la bouche. Et imaginez une grande ligne dorée sous vos pieds, un chemin lumineux. Vous marchez sur ce chemin. Et déjà, toute cette lumière qui est sous vos pieds, qui rentre par vos pieds, vous fait pétiller, vous rend léger, légère. Il me vient le poème, la fable de La Fontaine, Pierrette et son pot au lait. Vous êtes joyeux, joyeuse, heureux, heureuse de voir comment la vie vous émerveille, ce qui va se passer. Et devant vous, il y a une grande porte, toute lumineuse. Et vous allez pousser cette porte. Cette porte, elle vous amène sur la ligne de votre identité créatrice. Un paysage nouveau, des sensations nouvelles. Et vous allez ouvrir cette porte délicatement. Vous pouvez laisser la main sur la porte, ressentir l'énergie, l'excitation, l'allégresse du paysage, de la photo, de l'image que vous allez découvrir. Poussez cette porte, peut-être en verre. Et là, beaucoup de lumière, comme quelque chose qui vous éblouirait dans un premier temps, tellement c'est lumineux. Et puis, petit à petit, vous vous faites à cette lumière, à cette intensité, à cette puissance, vous pouvez même ressentir dans votre cœur, waouh, ça fait comme un recul, toute cette puissance, mais c'est bon, c'est chaud. C'est doux, c'est vraiment vibrant. Votre cœur bat plus vite, comme un enfant qui déballe un cadeau. Et puis, vos yeux, petit à petit, peuvent visualiser une scène. Une image. Qu'est-ce qui est révélé pour vous? Qu'est-ce qui est là? Je vais vous laisser décrire en sensation ce que vous voyez pour vous-même. Si vous êtes seul, vous pouvez peut-être même le dire à voix haute. Comme si c'était quelqu'un qui vous décrivait l'image. Si vous n'êtes pas seul, décrivez-la en interne. Et surtout, décrivez bien les couleurs. Décrivez bien les sons. Les gens. Comment sont les gens qui sont dans cette scène? Peut-être si vous êtes sur la scène lors d'un spectacle musical. Voyez la joie. Le regard pétillant des gens qui vous regardent. Sentez l'énergie qui existe entre vos cœurs. Si vous êtes au contraire dans une exposition de photos, c'est vos photos qui sont là. Baladez-vous dans cette exposition, écoutez les commentaires des gens. Et ressentez l'énergie qui est là. Comme si vous faisiez un shoot. Comme si vous remplissiez votre coupe de tout cet amour
de cette lumière, de ces sensations. Très bien. Maintenant, prenez une grande inspiration et expirez et vous vous remplissez de cette image, de ces sensations, de ces vibrations. Et sachez que si on vous a présenté cela, eh bien, c'est que c'est réalisable. Alors, je ne vais pas vous faire revenir en arrière. Je vais juste vous faire comme baisser le rideau, comme si en fait, vous laissez cette image bien au chaud, continuer de vivre. Vous pourrez vous y reconnecter à chaque fois que vous le voudrez. Mais elle est là. Pour votre cerveau, ce qui a été montré, c'est déjà réalisé. C'est votre potentiel réalisable. Voilà ce que je voulais vous faire vivre ce soir en lien avec cette masterclass de déployer sa puissance créative. Est-ce que vous avez des questions? Je vous laisse revenir tranquillement. Ah, merci Aurore. Est-ce que tu as des questions? Est-ce que ça va? Ou est-ce qu'on se laisse sur cette note toute tranquille? N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions pour Biostar. Ça commence le 5. Et si vous venez un tout petit peu après, il n'y a pas de souci. Ça dure 3 mois. J'ai hâte. Moi, je commence mon enregistrement de slam jeudi. Je cherchais. Et j'ai un peu peur, j'avoue. Et puis, j'ai hâte aussi. Donnez-moi de vos nouvelles et je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci d'avoir été présente. Je crois qu'il y a essentiellement des femmes. Merci à vous. À très vite.